Depuis plusieurs années, avec tous les élèves de Carinotte, on s'est lancé dans une sacrée aventure. Étudier un petit bout de notre bord de mer. On appelle ça une aire marine éducative. Alors tout au long de l'année, on s'est intéressé à tout ce qui se passait sur la petite plage de Primelle. On a fait des sorties pour étudier les coquillages, les algues et même les petits poissons. On en a même ramené dans le super aquarium qu'on a installé à l'école. Chaque année, Géraldine de Lulamire vient nous apprendre des choses sur la mer. Cette année, on a voulu en savoir un peu plus sur les activités humaines en face sur le port de Primelle-le-Dibène. Et quoi de plus simple que d'aller voir Cyril Chaussec, le capitaine du port, pour qu'il nous parle de son métier. Ça consiste à gérer un port, à accueillir des visiteurs, à accueillir des plaisanciers et les placer sur des bouées pour qu'ils puissent bénéficier de la mer et s'amuser en toute liberté à la pêche et puis à la voile. Ça fait 6 ans que je suis au port de Primelle-le-Dibène. Auparavant, j'étais à Roscoff, où j'ai fait 4 ans. Et avant, j'étais au port de Guilvinec. J'ai toujours été attiré en fait par la mer. J'adore la pêche. Toutes les grandes marées, j'essaye de les faire pour aller à la pêche à pied aussi. Et ça se fait naturellement. En fait, c'est une envie que j'avais depuis tout temps d'être au bord de la mer. Ce que j'apprécie le plus, c'est d'être près de la mer et puis être à Plouganou, au port de Primelle-le-Dibène, dans la région où j'ai toujours habité et voir ce magnifique paysage et puis voir les navires sur l'eau. On le voit bien, il y a de plus en plus de tempêtes, le niveau de la mer a bien augmenté. On va s'y atteler pour rehausser toute la digue, refaire un enrochement, retravailler les accès aux cales et puis toutes les infrastructures autour. On va travailler à ça en fait, justement pour l'avenir, rénover l'existant et pouvoir affronter le futur. C'est une sacrée organisation, un port comme celui du Dibène. Et même s'il y a moins de bateaux de pêche qu'avant, ça reste très important pour notre commune. Alors, on est allé rencontrer Laurent et Perrine Postink et leur bateau Liu An Amzer pour qu'ils nous expliquent leur métier. Et pour commencer, on a demandé à Laurent pourquoi il est devenu pêcheur. Moi, dans ma famille, on est tous marins-pêcheurs. Donc, mon papa était pêcheur, ma maman aussi. Et mon grand-père aussi, j'ai continué. J'avais voulu faire autre chose, mais ça ne me plaisait pas, voilà. Nous pêchons des crustacés, homards, tourteaux, araignées et des coquilles Saint-Jacques. Les crustacés, on les pêche avec des casiers et les coquilles Saint-Jacques avec des dragues. Donc c'est des gros râteaux qu'on traîne sur le fond de la mer. Alors, la coquille Saint-Jacques, on a un calendrier, donc on pêche 2 ou 3 jours par semaine. C'est des horaires et des jours qui sont imposés. Et au casier, les crustacés, on peut pêcher tous les jours. On commence vers 3-4 heures du matin et on termine vers 11h30-13h30. Alors, notre pêche, on la vend à un marailleur, donc c'est un grossiste donc qui nous prend toute notre pêche. Et on a également une grande partie qu'on vend directement aux particuliers. Ici sur le port, à chaque fois qu'on rentre de mer, et le samedi en plus, on fait une vente de tous les samedis matins. Ça serait bien. Non, il y a des fois c'est moins bon. Voilà, il faut, c'est un peu un jeu ou une chasse. Il faut chercher. Il y a des endroits c'est meilleur que d'autres. Mais on ne peut pas y aller tout le temps, il y a le courant, le vent,
La météo joue beaucoup aussi. Du coup, il y a des jours moins bons. Est-ce que c'est compliqué de vivre de la pêche ? C'est compliqué, ça dépend. Après, si tu es courageux, si tu n'as pas peur du mauvais temps et d'aller te lever de bonne heure, non, c'est un métier intéressant. Ouais, quand ça pêche pas, c'est long. Je t'avoue que c'est compliqué. On réfléchit beaucoup. Et les moments faciles, c'est quand ça pêche. Voilà, là, tu te dis, on a de la chance, on est bien, tout va bien. Et puis, voilà, ça pêche, t'es content, tu vois que ça monte. Et puis finalement, c'est là qu'on gagne de l'argent, quoi. C'est quand même le but. Quel est le plus gros poisson que tu as pêché ? Le plus gros, ben, ça doit être un homard, je pense, autour de 3 kilos. Je ne sais pas si le homard que Laurent et Perrine avaient pêché ce matin-là faisait 3 kilos, mais il était sacrément énorme. On n'avait jamais vu ça. Notre aventure avec la mer ne s'arrête pas là. On n'a pas fini d'en apprendre. La mer est pleine de richesses qu'on a hâte de découvrir.